Il y a de cela bientôt une semaine, il y a eu le décès du président de l'ordination, Ousmane Patako, qui était décédé. Bon. Par la suite de ça, il y a eu la nomination d'un président qui était quelque part. Mais il se trouve que ce qui était avec le président Ousmane n'était pas éponge. Eux, ils devraient avoir une rencontre. L'autre partie aussi dit qu'ils devraient venir ici. Alors que même nous, la famille, n'était pas informée de cette situation. Donc, on était surpris de voir, comment on appelle ça, les agents devant le bâtiment. Donc, mais nous, la famille, par exemple, qu'est-ce que nous avons demandé? C'est de se retrouver. Parce que ce n'est pas avec des histoires, on veut se donner de nos cas, se retrouver. L'ancien et le nouveau là, se retrouver ensemble pour trouver la solution, pour qu'il y ait la cohésion et l'entente. Ça, c'est le bonheur de tout le Bhoutan. Parce que ce qui s'est passé ici, ce n'est pas honorable. Est-ce que vous comprenez? Nous, c'est ce qu'on demande. Donc, ce qu'il n'y a pas eu en tant que maire, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont se retrouver, de décider de se retrouver et parler d'une même voix. Donc, ce qui veut dire que ça, tant qu'il n'y a pas entente entre les deux camps, le ciel ne sera pas ouvert. Non, on n'a pas dit ça. Ça sera ouvert. Il faut ouvrir le ciel. Parce que dès qu'il y a entente, le ciel sera ouvert. C'est ce que je dis. C'est ce que je veux dire. Quoi. Donc, pour le moment, on a décidé d'abord, puisque la tension est haute, on a décidé d'abord de s'asseoir cela jusqu'à ce que les deux parties se retrouvent et qu'ils s'entendent. Pour que tout le Bhoutan soit derrière. C'est lui qui sera désigné officiellement. Même s'il y a l'autre camp qui dit que c'est officiellement, mais puisque l'autre camp déjà n'était pas informé, c'est ce qui a fait qu'il y a eu un peu de polémique. Mais on a demandé à ceux qui se retrouvent. Et ils sont dans cette voie.